Eh bah ok. Une autre ligne à terre. Il y a une autre ligne à terre. Eh bah ok. Eh oh. Oui les gars. Oui, il y a une autre ligne à terre hein, concernant et à perdre. Hein. Chaud, 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 chaud. Hein. Vous n'allez pas imaginer. Les filles là, vous n'allez jamais apprendre des erreurs des autres. Oui, les filles. Les filles. Je suis désolé de le dire, mais c'est déplorable que vous n'arrivez pas à apprendre des erreurs d'autrui. Voilà, avant de continuer là, je me présente, je m'appelle Julien Kéyangzok. Ceci est un nouvel épisode de l'Hello Talk. Si tu es nouveau ici, mon frère, ma soeur, ma soeur, abonne-toi, like, active la cloche de notification pour comme ça aller, hein, on l'a au courant, tu seras au courant de tout, de tout, de tout, parce qu'il y a tellement de papos ici. Je m'appelle Jules, moi c'est l'Hello Gangster, l'Hello Man Togolais. Tu es prêt, allô? Let's go. On est Todia, on est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Ouais, je le disais tantôt, les filles ont du mal à apprendre de l'erreur des autres. Elles préfèrent, ou bien je ne vais pas dire les filles, mais la jeunesse d'aujourd'hui préfère toujours que cela lui arrive avant qu'il n'apprenne de cela. Oui, parce que si on est assez intelligent, si quelque chose arrive à quelqu'un, on doit, hein, avec cette situation-là, apprendre quelque chose de là pour que ça ne nous arrive pas. Oui, aujourd'hui, ou bien depuis hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo dans laquelle on peut apercevoir une fille dans un train en train de se lamenter. Hein, en train d'envoyer des insultes, en train de raconter des trucs comme quoi elle a été invitée par un gars sur Paris et elle a été obligée de repartir parce que le gars l'a laissé poireauter dans le froid et tout ça là, alors qu'elle avait passé, elle venait de passer tout un week-end avec le gars. Hmm? Mais sans trop parler, sans trop vouloir vous donner la version des faits. Hein. Écoutez même, regardez même la vidéo dans laquelle la fille est en train de raconter tout ça là. Regardez. Franchement, l'être humain est méchant. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un, il vend le rêve à quelqu'un jusqu'à ce point. Les gens sont méchants. Les filles, c'est-à-dire, il y a une situation qui m'est arrivée. Moi, je pourrais pas garder, il peut pas garder ça pour moi. Je suis en train de rentrer comme ça à la maison. J'étais obligée de voler le train. J'étais obligée de voler le train parce qu'un gars m'a fait ça dur. Au fait, on s'est connus comment? Au début, c'était les love stories, tout se passait bien. Il m'écrivait, je le trouvais mignon, c'est un gars de Paris. Je vais balancer sa photo. Après cette vidéo, je vais balancer sa photo. Voilà. Parce que, en tout cas, il me doit. Il me doit, je lui donne une semaine. Je lui donne une semaine. S'il ne donne pas mon argent, il ne donne pas mon argent, je balance ses photos. Je vous jure, ce gars, il m'a donné, je suis avec mon enfant, il m'a fait poireauter dans le froid. C'est maintenant que je rentre. Je suis censée rentrer depuis le matin. J'étais obligée. Bref, voici ce qui se passe. On se connaît sur les réseaux sociaux, tout se passe bien. Il me montre ce qu'il m'aime, qu'il veut être avec moi et tout. Moi, j'étais confiante, j'étais là, j'avais besoin d'amour, il me donnait beaucoup d'affection et tout. Mais voilà, j'arrive, il me dit, tu viens, on passe un week-end. Moi, je voulais aussi. J'ai dit, d'accord, je vais venir, on va passer un week-end ensemble. Dès qu'on arrive, tout se passe bien, on fait l'amour, on passe se promener. Voilà, et il faisait même semblant d'aimer mon fils. Mais moi, je comprends que tout ça, c'était son modèle pour me mettre dans le bain, pour me mettre en confiance. Et moi, bête comme une idiote, je suis tombée. Le gars, il m'a baisé. Ces deux jours que j'étais là-bas, il m'a baisé de partout avec un bangala mal intentionné. Ah, je vous dis les filles, les gars ils sont méchants. Moi je pensais qu'il le faisait avec amour, mais je trouve maintenant que le gars, il était seulement méchant. Il était seulement méchant et puis, je suis en train de rentrer, j'ai tellement mal, je me suis dit, je vais parler ça pour que ça n'arrive plus aux filles au fait. Parlez ce qui m'est arrivé, je vous jure, ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Voilà, en tout cas, je ne veux même pas pleurer pour lui. Je ne veux même pas pleurer pour lui. Voilà, maintenant, il me dit, viens, je viens. Je lui dis d'abord, je n'ai pas la langue. Vous avez vu, là? La partie qui m'a fait truc, là, comment est-ce que je vais qualifier ça? La partie qui m'a plus intrigué, qui m'a fait rire de ouf, hein, c'est la partie où elle disait... Il m'a
qui la craigne de partout, hein, de partout. Je vous dis bien, au sens propre, je veux croire au sens propre de cette phrase-là, qu'il l'a vraiment craigne de partout. Partout, n'importe où, dans la maison, dans l'appartement. Et puis, elle a qualifié elle a qualifié son truc de Bangala mal intentionné. Ah! Adama! Est-ce qu'on peut donner ce qualificatif-là à un truc pareil? Hein? Mal intentionné, le go! Oh, l'intention du truc-là, les intentions du truc-là ont été toujours bonnes, hein? Oh, les filles, dites-moi, est-ce que ce truc a une fois eu de mauvaises intentions envers vous? Mito nyao, mito nyao. Façon truc, ce truc-là vous va bien. Façon, vous adorez. Façon, on adore ça. Est-ce que ce truc-là a une fois eu de mauvaises intentions à votre égard? Mito nyao, lo. Mito nyao. Peu importe, hein. Peu importe situation, mais peu importe condition que mon souhait les non les années, hein. Non. Il y a toujours ce côté bah, hein. Nous, les Togolais, on dit, olé, c'est bah. Hein, ce côté doux, ce côté, là. Anglais, on avait sweetness. Il y a toujours ce côté sweetness du truc, là. Peu importe si c'est un fou, un malade mental, un déséquilibré, un pauvre, un riche, il y a ce côté sweetness du truc. Donc, ma tata, je ne suis pas d'accord quand tu qualifies le truc de. Hein? Un truc de mal intentionné. Non, je ne suis pas d'accord. Faut dire juste que le gars a été présent. Hein? Il a accompli la mission pour laquelle il t'a fait venir. Un week-end, ma chère, tu t'attendais à quoi? On t'invite tout un week-end. Tu viens, je ne sais pas ce qui t'a pris de venir avec ton enfant. Mais bon, supposons qu'il n'y avait personne pour prendre soin de ton enfant pendant tout un week-end. Donc, à problème l'eau. Mais malgré ça, notre gars a assuré. C'est ce que tu veux dire? Qu'il t'a qu'aime de partout avec un truc mal intentionné. J'aime ce mot-là. Hein? Le gars-là a gagné une médaille auprès de cette fille-là. Parce que où est-ce qu'elle se trouvera, hein? N'importe quand qu'elle voudra raconter cette histoire, elle mentionnera toujours ce truc-là. Hein? Il m'a qu'aime de partout avec un kiki mal intentionné. Eh oh non, I love that word, man. I love that sentence. J'aime cette phrase-là. Il m'a qu'aime de partout avec un kiki mal intentionné. Voilà. Les gars, faites de sorte qu'on dise des trucs comme ça sur vous. Si une fille est en train de dire des trucs comme ça sur vous, hein, moi, il leur mauvaise publicité, non, yo, le mon gars. Non, t'allez, elle est ciblée, son ballon d'or, ou elle dit ça, elle est quoi? Ballon d'or, oui! Oh, t'allez, assure-toi qu'on raconte des trucs comme ça sur toi. Hein, quand ce gars m'a récupéré, elle m'a mal géré. Hein, elle m'a mal géré de partout avec un kiki mal intentionné. Mais on a more serious note, je dirais, il y a vraiment une leçon à tirer de cela. Hein, les gars, laissons les blagues de côté, parlons sérieusement. Je n'arrive toujours pas à concevoir le fait que tu discutes avec un gars sur Internet. Tu l'as jamais vu, vous êtes jamais vu. Le gars t'invite. Pour tout un week-end, peu importe le nombre de mois que vous avez passé à discuter, le nombre d'années que vous passez à discuter, mais tu ne sais pas, tu ne sais rien d'autre de ce gars-là, parce qu'il te raconte. Tu ne connais pas sa vraie réalité, la réalité même, tu ne connais pas. Et puis, une telle personne t'invite, tu t'en vas passer un week-end chez lui. C'est un peu risquant, tu ne le connais pas en vrai. Et de deux, tu t'en vas avec ton enfant. Bon, comme je l'ai dit tantôt, supposons qu'il n'y a personne pour prendre soin de ton enfant. Très bien. Mais ma soeur, c'est un genre, c'est rien que tu t'en vas chez cette personne-là dans une autre ville et tu n'as pas de sous sur toi. Et tu n'as même pas un rond sur toi pour prendre le train retour s'il arrivait quelque chose. Comme cela par exemple. Parce qu'à l'entendre parler, la vidéo est certes incomplète, mais on peut sentir si elle dit... Il me doit, c'est ce qu'elle raconte, il me doit. Si elle dit ça, c'est parce que, genre, je suppose hein, que c'est parce que le gars ne lui a pas donné de l'argent pour son départ. Peut-être le transport, pour faire le transport autour à la maison. Le gars ne lui a même pas donné de l'argent et tout ça là. Je suppose, hein, parce que la vidéo incomplète, elle n'a vraiment pas, elle ne cessait de dire, il me doit, il doit me donner mon argent. Oui, elle parle de quel argent? Parce que,
nous mentionnons les vidéos à Wafi Dekwe que le gars, bon, elle était partie lui vendre un truc. Sauf si c'est busy, elle est partie faire. Oui, donc supposons qu'elle est en train de réclamer là, genre, l'argent de transport et tout, bien, un geste de la part du gars. Mais est-ce que c'est sérieux ça? Eh les filles, beaucoup de filles aujourd'hui font ça. Un gars t'invite, tu t'en vas chez le gars. Tu ne prends même pas du sou sur toi. Tu ne prends même pas de l'argent sur toi au cas où le gars ne t'aurait pas donné de l'argent pour faire ton transport retour, que tu puisses toi-même s'en charger. Il y a des filles qui se lèvent, un gars t'a... Il y a même qui viennent sans toutefois hein, l'argent du transport pour venir. Genre, elles viennent, elles descendent, voilà, dit le mardi, elles attendent dans le taxi ou bien sûr la moto, le gars vient payer. Mais ça ne se fait pas comme ça. Vous n'êtes pas en train de donner de la valeur. Oui, vous n'êtes pas en train de vous donner de la valeur. Ah! Tu viens chez quelqu'un, tu ne sais pas si quelque chose va lui arriver, s'il y aura une situation qui ne lui permettra plus de vous donner l'argent de retour. Venez comme ça, hein, la poche vide sans argent de retour. Qu'est-ce que pourquoi? Pourquoi? Maintenant, c'est là en train de parler comme si c'était un arrangement. Je sais pas si c'est un arrangement, mais la plupart des temps, ce n'était pas un arrangement. Genre, tu viens, je ne suis pas obligé de te donner de l'argent pour le retour. Soyons francs. Hein, tu viens chez moi, je t'invite, tu viens chez moi. C'est pas obligé. C'est à toi de me dire, Charlie, j'ai pas de sous, je suis un peu fauché. Comme ça, je saurai si vraiment tu pourrais toujours venir là. Je suis obligé de te donner de l'argent de retour parce que tu me l'as dit, tu me l'as signifié. Même si vous n'avez pas eu cette discussion-là, Charlie, le normal, tu vas chez un gars ou bien tu vas chez quelqu'un, hein, en ayant en tête que c'est la personne qui doit te donner l'argent de ton retour. Les filles, ce n'est pas normal. Nous sommes au 21e siècle. Donnez-vous de la valeur. Hein, faites de sorte que le gars, hein, il a quoi, arrêtez un peu de faire des trucs comme ça. Maintenant, elle est là en train de la gratter, il me doit. Et il te doit quoi, ma soeur? On t'a joué le coup du mougoupan. On t'a bien mis, on te l'a bien mis au fond. Hein? Tu as adoré. Et c'est pourquoi tu racontes. Hey, il m'a géré avec un kiki malade. Hey, mais sérieux, hein? Arrêtez ça. Arrêtez de visiter vos gars, vos copains, sans toutefois prendre l'argent hein, de retour. Au cas où il y aurait un problème l'empêchant de vous donner cet argent-là. Essayez de voir ce côté de la chose. Hein? Donc, les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de L'Aile au Talk. Je m'appelle Julien Kiyangzok. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, mais n'oubliez pas, abonnez-vous. Je sais que tu ne l'as pas fait. Allez, au matin, quoi? Tu ne peux pas regarder cette vidéo comme ça et tu as ri autant comme ça et puis tu as parti sans toutefois t'abonner. C'est normal, oh. Abonne-toi. Bon. Et active la cloche de notification. À la prochaine, ciao. Okay.